Médite calme par Claudia Maréchal. Installez-vous confortablement et fermez les yeux. Nous allons commencer par un exercice respiratoire. Inspirez par le nez, puis expirez par la bouche le plus longtemps possible. Vous allez faire cet exercice 5 fois. À présent, vous allez relâcher vos paupières. Ensuite, vous allez relaxer vos sourcils, vos tempes et enfin tout votre visage. Détendez votre nuque, vos épaules, tous les muscles de votre dos, un à un, votre bassin. Détendez également votre ventre, vos jambes et enfin vos pieds. Profitez de cette relaxation profonde pour observer les mouvements de votre ventre avec la respiration. Lorsque vous inspirez, celui-ci se gonfle. Lorsque vous expirez, il redevient tout plat. Vous êtes maintenant parfaitement détendu. Vous allez imaginer que vous êtes au bord d'une rivière bordée d'arbres. L'eau est claire et son bruit vous berce agréablement. Tout au long de cette rivière serpente un chemin. Je vous invite à l'emprunter. Il épouse les contours de la rivière. Il fait partie d'elle. En contemplant l'eau, imaginez que vos soucis filent avec les feuilles que le courant emporte. Elles rejoignent un autre cours d'eau qui les emmènera loin, très loin dans la mer. Vous respirez calmement. Vous ressentez la fraîcheur de l'eau qui règne sous un dôme de verdure. Écoutez les murmures, les chuchotements, les bourdonnements de l'eau qui cascade et qui glisse. Observez bien le cours d'eau. Il n'est pas le même partout. Il y a des remous, des endroits où, l'on ne sait pourquoi, le courant s'accélère. À d'autres endroits, il ralentit. Au milieu de ce gros ruisseau, des pierres qui ont retenu des feuilles ou des branches font de petits barrages. Regardez-les. Regardez l'eau plus calme dans ces zones de petits barrages. Regardez-la glisser par les côtés. Des plantes, dont les racines sont accrochées au lit de la rivière, forment à la surface comme une chevelure végétale. Ils s'échappent comme une odeur de mousse. Vous suivez toujours le sentier. Vous vous sentez bien. Vous vous sentez calme. Un petit pont de pierre vous permet de passer de l'autre côté de la rive et de rejoindre un chemin. Vous avancez toujours, calme et tranquille. L'endroit est reposant, solitaire, sans danger. Vous ne ressentez que le calme de cette nature verdoyante et vous observez tous les bruits. Le chant des oiseaux, le bruit des insectes, le craquement des brindilles dû à vos pas. Observez la nature autour de vous. Ressentez-la. C'est un instant hors du temps. Un moment qui vous permet de vous ressourcer. Après, vous êtes déchargé du stress et des tensions du quotidien, ainsi que de toutes les pensées qui parasitent votre esprit. Vous allez quitter le chemin. Vous êtes à présent pieds nus. Sur votre gauche se trouve une clairière. Sa lumière est accueillante et les rayons du soleil pénètrent votre corps au fur et à mesure que vous avancez. Le sol, plus frais sous la plante de vos pieds, réveille vos sens. Plus vous approchez du centre de la clairière,
plus votre corps et votre esprit se font légers. Derrière, sur le chemin, vous avez déposé votre passé ainsi que vos peurs. Vous voici au centre de la clairière. Le soleil chauffe agréablement votre corps et l'herbe verte vous invite à vous allonger. Dans ce cocon de lumière, une légère brise vient vous effleurer par intermittence. Au fur et à mesure que le souffle tiède se dépose sur vous, il balaye les derniers blocages qui font surface en vous. Ce nettoyage vous apaise et laisse la place à l'acceptation du changement et du renouveau. Vous restez encore allongé plusieurs minutes. Puis, un léger parfum de fleurs vous sort doucement de votre torpeur. Vous vous étirez et vous vous relevez à votre rythme. Sur le bord du chemin, ce que vous aviez déposé a disparu. Des fleurs avec de longues tiges ont fait leur apparition à la place. Vous vous en approchez et les cueillez une à une en inspirant leur odeur à chaque fois et en admirant leur couleur. Vous les rassemblez en un magnifique bouquet qui symbolisera le renouveau. Vous empruntez de nouveau le chemin en sens inverse cette fois, jusqu'au petit pont de pierre. Vous le traversez et prenez le chemin du retour. Vous vous souviendrez de la lumière particulière de cet endroit sous les arbres, du parfum, des couleurs, des odeurs que cette charmante promenade vous a offert. Doucement, vous allez reprendre conscience des bruits extérieurs, de ceux qui vous entourent, de votre présence dans cette pièce. Bougez les extrémités, les doigts, les orteils. Progressivement et en douceur, vous pouvez tourner la tête à droite, à gauche, tout doucement. Inspirez plusieurs fois profondément. Sentez comme cette inspiration vous réveille. Vous pouvez bâiller, vous étirer. Prenez tout votre temps. Et lorsque vous entendrez la clochette, vous pourrez ouvrir les yeux. À bientôt.